Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMBO TV, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Qui suis-je? Je me nomme Abdoul Ramzi Samassi, votre ingénieur agronome, également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Derrière moi, pour voir les résultats, je vais vous présenter un peu une ferme agricole. Ok. Donc là, on peut voir un bâtiment avec fente d'aération. Ça, c'est un bâtiment avec fente d'aération, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ce modèle de bâtiment peut faire 10 ans et plus. Hein. Ça dépend de quel type de bois que vous allez utiliser. Si vous utilisez du bon bois, les pieds sont faits en bassin. C'est le même bâtiment avec fente d'aération que vous pouvez voir ici. Voilà. Vous pouvez voir vue de l'extérieur. Tout à l'heure, c'était vue de l'intérieur. C'est vue de l'extérieur. Fente d'aération. Vous avez un bâtiment avec l'antenneau. Bâtiment avec l'antenneau. Il va vous présenter un peu ici le pondoir d'abord avant d'arriver. Voilà. On peut voir ici les abreuvoirs, les mangeoires. Ça, c'est le pondoir. Voilà. Le premier pondoir. Et son opposé, on va voir ici son opposé également. Là, ici, vous pouvez voir ici. Là, vous pouvez voir. Ce que vous pouvez faire facilement sans appeler un menuisier. Ok, on peut voir ici, ça c'est un côté. Un côté. Bâtiment avec l'antenneau, vous pouvez voir les deux entrées d'air. Voilà, ça il est plus pratique, il est plus conseillé par rapport au bâtiment avec aération. Deux entrées d'air. Il ne peut pas chaud ici. Si nous sommes un bâtiment de tout petit, on avait fait déjà une vidéo pour montrer un peu le chauffage. Voilà, pour voir cette société qu'on grandit déjà. Hein. Non, comme je l'ai dit, avec l'antenneau. L'endroit où on verse la litière, on peut voir ça ici, c'est protégé, hein? C'est normal. Maintenant, on peut voir les pondoirs ici. Voilà ce qui essaie de vous montrer un peu. Voilà, ce sont les pondoirs. Combien de niches? 1, 2, 3, 4, 5. Je reprends. Combien de niches? 1, 2, 3, 4, 5. On peut voir ici, ça a été coulé. On a fait des différents pondoirs qui ont été coulés. Vous pouvez voir ici. C'est juste une tôle, une feuille de tôle qui est au milieu.
peut voir ici, quand il part, il prend du deuxième côté. Donc on peut remarquer ici, voilà, on peut voir ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire doucement parce qu'il y a assez de pointes ici. Voilà, on peut voir ici. Les deux ont tout collé. Donc, ça c'est l'endroit où on verse la litière qui est très bien protégée. Thank you.
on va choisir.